Bon, voilà. Je me lève tôt. Ah non, moi demain je suis off, je me lève pas tôt. Non, moi je me lève tôt. Ah, d'accord, carrément. Eh, donc t'as vachement résisté toi hier soir. J'ai résisté? Ouais, bien sûr, ouais. Comme le chef de Monsieur Seguin. C'est-à-dire? Ton prénom c'est Jalil. Et son nom? Boudaoud. Oh, quand même. Là. Oh, mais il est pas terroriste, il est médecin. C'est ici qu'il faut sauver Willy? C'est Justine ça? Une copine. Une copine? Oui. Elle est française? Bah oui, maman, Justine, elle est pas malgache. Mais pourquoi? Zappé, on est au ramadan. Quel courage, disons, ces gens-là. Il faut dire que c'est des grands voyageurs. Jalil me fait visiter la cité. Ouais, c'est la classe, là. Ouais, c'est vrai, plutôt que de l'emmener à Venise, tu l'emmènes à Nanterre. T'imagines sur leur chameau majestueux. Ah, bah, parfait! Hey, comment ça va? Si on l'invite à dîner, Charles. Tenez, c'est pour vous, madame Boudaoud. Macaro. Elle aime tes yeux. C'est Sonia Boudaoud. Je m'y fais pas, hein. Qui doit épouser Farid Bouchentou. Touf. C'est le thé de la famille. Mais c'est du schnapp, ça. Allô. C'est impossible, je sors avec une rebeu. On dirait trop, je sors avec ma sœur. Justine. Ton jambon, là, ça va contaminer le reste des aliments, je vais pas le voir. Pour quelqu'un qui parle de tolérance tout le temps, tu trouves que t'es tolérant, là? Et t'es allé loin, loin comme moi dans les insultes. Ouais. J'ai un peu collé du saucisson dans ces caleçons, si tu veux.